Bonjour et bienvenue dans l'épisode 96, l'épisode où ça va pas être facile de faire mieux que ce qu'on a fait au l'épisode précédent. C'est clair. Ah, retour de Coupe de la Ligue, tout le monde a fait la fête. Tous nos joueurs sont à moitié bourrés. C'est ça. Et il va falloir enchaîner avec le retour en championnat parce que c'est pas fini et qu'on a un match important, même si pas super joli, contre Caen. Ah oui, c'est sûr que passer de finale de Coupe Nationale à match contre Caen, bon... C'est différent. Mais ça va pas t'en mettre une demi-molle, a priori. Eh ben peut-être, on sait pas. Hein, si Caen mène 4-0 à la mi-temps et qu'on gagne 5-4, pourquoi pas. Ça peut arriver ce genre de choses, tu sais. Mais c'est rare, je pense. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on parlerait du dernier match, tu sais, celui qu'on a gagné 4-1? Celui-là ou celui dernier match du championnat où ils nous ont pété à l'aller? Ah bah écoute, je propose dernier match et décompensé. Allez, voilà, tout à fait. Dans tous les cas. Exactement. Dotation et compagnie, oui, ça, oui, on a déjà vu, on avait de l'argent, on était beau, on était riche, on était fort. Et on enchaîne donc avec ce match contre le Stade Malherbe. Ouais. De Caen et bien de bientôt. Hein, quoi, qu'est-ce? Rien. Non, j'ai envie de la beauté du Diallo, ils sont plus 426. Putain, c'est clair. Mais oui, c'est clair. 426, 140 seulement pour De Blasis, hein, ouais. qui a juste pris 5 points. Oui, mais en même temps, il avait déjà tellement de valeur à l'origine. Et plus 466 pour Marvin Kraus. Ah, il a pris de la valeur, l'ami Marvin. Un peu. Ouais. Et plus 473 pour Marco Guérin. En même temps, il est monté comme une brute. Il y a du battle, hein. Il y a du battle. Il a fait plus 10, l'ami Marco. Guérin, c'est presque abusé que ce soit pas notre carte titulaire. Perdait plus 0%, comment ça se fait? Il commence doucement, mais sûrement. Non, à mon avis, c'est parce qu'on l'a fait pas signer un contrat pro. Ah, ça va être ça. Je pense. Du coup, mec, c'est quoi le petit chiffre? Ah, c'est la progression. Non, c'est pas la progression. Où ça? Finition 72-22. Puissance frappe 71-20. Peut-être que c'est le pourcentage pour arriver au prochain. Ah, bien joué. Au prochain truc? Peut-être. Ouais, sauf que c'est bizarre parce que ça dépasse jamais les 25. Mais peut-être qu'ils sont tous au début. Ou alors peut-être que c'est leur progression tout court. C'est très bizarre. Bref. Est-ce qu'on enchaînerait pas? Ah bah il va falloir le faire, ça va être dur. Estelle se souvient des belles choses. À mon avis c'était le 4-1. Ouais. Nous avions étouffé la concurrence, notre victoire était méritée. Faut dire que nous, l'autre souvenir qu'on a de Caen, c'est Diallo qui fait des conneries. Hein. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on ferait pas jouer Guérin? Mais non, il n'est pas... Je sais, il n'est pas à nous encore. Est-ce qu'on ferait pas jouer au bois? Non. Tu veux pas lui laisser faire un petit match? Non. Du tout? Non. C'est pour le vendre. Allez, au bois, si tu veux. Mais si on perd à cause d'une connerie d'au bois... Ouais, t'as raison, on va mettre le sec. Voilà, ça me paraît beaucoup. Et Richaud, oui, il est en forme, hein, évidemment. Et Richaud, putain, mais quel taré ce type. C'est clair. Marange, qui va être remplacé par Perrault. Je pense qu'il n'y a plus trop de différence entre les deux, de toute façon. Non. Ah, oh, Marange a quand même de bonnes stats de défenseur. Qui qu'on fait jouer? Je regarde. Jacob est pas trop en forme. Oh, tu veux le faire jouer pour qu'il remonte un peu le moral? Ouais, pourquoi pas. Ah, mais Zéoulé, il était là, d'accord. Un petit Malonga? Bon, allez, pourquoi pas. Ok, Team Peng, Gonsalves, Hermash. Tu veux Campagnaro? Pourquoi pas. Un peu. Toujours aussi décevant Campagnaro, ouais. Sur ses finitions et tout. Oh, tiens, mais bon, je dis on garde Payne et on va mettre Campagnaro de l'autre côté. Ouais, ça me paraît bien. Histoire de voir. Mm-hmm. Pour le reste, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est bien. Et ben, on est parti les enfants. Allez. Allez, ça se passe au... Comment il s'appelle le stade de Caen, putain? Le stade Malherbe. Non, ça c'est le nom du club. Le stade Malherbe. Le stade Michel Dornano. Évidemment. Allez, Adil. Oh, très très beau pénalty. C'est bon, c'est ce que je fais. Eh bien, c'était parfait. Eh, j'ai mis 22 points. C'est impressionnant. Eh, ça avait l'air de rien, mais en fait... Ouf, on va s'en aller. Pourquoi? Parce qu'il est temps de jouer ce match. Effectivement, au stade municipal, Michel Dornano. Évidemment, le stade municipal, c'est tellement un beau nom. Ouais. Contre Caen, donc... Ça risque de... Ça risque de pas être facile, après...
après le match qu'on nous livre. C'est vrai. Le 3ème contre le 16ème, tant qu'il se bat un peu pour sa survie. Mais c'est vraiment un peu clairement, il faudra pas 42 points pour se maintenir cette année. Non, mais surtout que t'as que deux clubs qui descendent. Donc voilà. Ils sont tout petits joueurs là. Oui. Là, bah, c'est pas Nzitabuzaga ou je sais pas quoi. Mais bien sûr. Banzai. Surtout, vous avez marqué un peu au début du match. Ah, peut-être. Julien Furet sur le banc, comme d'habitude, la star de l'équipe. Eh oui. Nzitabuzaga sur le banc. Nzitabuzaga. Attention à Delors, par contre, gros buteur Delors. Nti Bazonkiza, voilà. Oui, Delors, il est très bon. Alexandre Beaulieu et d'autres joueurs sur le terrain. Tout à fait. J'ai pas trop regardé. Hein. Non, c'est pas la peine. Et oui, Andy Delors, moi je comprends bien. Hein. Mais on verra. Et donc de notre côté, Diallo Baebek, Mukiele, Daniels, Perrault, Hermash Campagnaro, Timbayon, le terrain intérieur en pointe associé à Malonga et Man Jacob. Intérieur qui nous a vraiment fait rêver lors du match contre Bordeaux. Contre Bordeaux. Ouais. C'est-à-dire que quand il est sorti, on a commencé à performer. Mais en même temps, je sais pas si c'est pas Erichaud qui a pas commencé à se prendre pour Renteria. En fait. C'est ça, ouais. Ah oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais en fait, on a. Erichaud est très bon, par contre, il est schizophrène. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Tout à fait. C'est pas plus mal pour un joueur de foot. Non, bah non. Mm. Alors, c'est juste embêtant quand il se prend pour le gardien, mais sinon. Un peu, hein. Dans l'ensemble, ça va. Mm. Oh, l'arbitre est chaud. L'arbitre est chaud, patate. Et c'est Tipar, non, Lascar. Eh bien, passe la balle. Allez, on va essayer de faire ça bien, dans les règles de l'art. Ça commence pas trop. C'est dur. Oh, c'est dommage. Je pensais pas que ce serait aussi long. Oh, boum. Oh, dommage. Bien joué. Hors jeu. Oh, dommage. Ouais. Pourtant, c'est le défenseur qui la prend, monsieur l'arbitre. Moi, j'étais pas là. Ouais, mais tu fais action de jeu, mon pote. Non, j'étais pas là. Je crois que c'est ça. Est-ce que Erichou est en pointe? Probablement. Oh là, je ne voulais pas te piquer ce ballon. Peut-être. En fait, si, mais je veux juste prétendre, tu vois. Ah, tu veux faire genre. J'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolé, monsieur. Ah, ouais. C'est un peu la panique, attends. Oui, c'est complètement la panique. Oh là. Et voilà. Donc, très joli contrôle. Oh, c'était horrible. Pardon. C'était pas... Bon, mais ça continue. Ouf, avec ce contrôle. Allez, belle touche. Pour nous. C'est cadeau, c'est pour eux. Que Payback qui prend ce ballon qui donne à Payne. Il a vu en bas Malonga. Oh là là, les mecs. Malonga. Et boum. Sur le but. Efficacité. Pas de problème. Bouya. Ouh, attention, oh, il s'est fait choper par derrière. Serein ce but, hein. Ouais, ils sont. Baebek, tranquillou. Très cool. Mauvais, nos amis. Pain. Il y a de l'espace. Bon, on s'en sort bien sur la frappe parce qu'il y a du monde sur la route. Mais elle était un pas peu, mal. Bon. Elle était pas mal quand même. Ouais. Tranquille. La confiance hein, de Laval, qui... on a l'impression que rien ne peut leur arriver après. Là, c'est vrai qu'on est quand même assez balèze. Un peu, ouais. On est un peu en train de se la péter. Un petit peu aussi. On est un peu en train de. Tu sens qu'on va perdre. Qui auraient pu gagner la Coupe de la Ligue. C'est ça. Et genre qui ont jamais douté. Non, du tout. Enfin, toi peut-être un peu. À un moment, j'avais l'impression que tu. Que j'ai douté. Ouais, un peu. Ouais. Non, en vrai, je c'était pour le spectacle. Bah, bien sûr. Le suspense. Le suspense, bien sûr. Malonga qui est parti à gauche. La pointe de vitesse de Malonga. Qui ne va pas centrer. Parce qu'il est comme encore, ça. Parce qu'il attend un petit peu. Mais qui préfère faire un petit tour comme ça et bim! Oh, c'était pas si maintenant. Je ne veux pas ce ballon. Je ne veux pas ce ballon, j'ai dit. Cot. Scheiße. Ah, c'était Newman. Eh oui, évidemment, il veut le ballon, lui. Newman, quoi qu'il arrive. Dont les parents sont. Jacob. C'est le ventre des cadenas. Exactement. Newman. C'était gourmand. Oui, mais c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé, personnellement. C'est vrai? Tu n'aurais pas renié cette frappe? Et écoute, non, je l'aurais assumé quand même. C'est vrai. Mais si ça avait été moi, si c'est toi, c'est de la merde. C'est vrai. Après, en revoyant l'action, je me dis que bon, soit je temporisais un tout petit peu, soit je frappais. Bah, tu pouvais pourquoi faire pas. Un contrôle orienté de la poitrine, enchaîner avec une aile de pigeon et derrière faire une reprise de volée, mais je pense que t'avais pas forcément envie de faire ça non plus. Ouh, ça arrive en bas. Malonga. Oh là là. Voilà. Oh là là. Voilà. Oh, c'était un
Oh là là, là, là. Ah, ce but était magnifique. La passe est très bonne. Et la frappe est magnifique. Un magistral frappe. Coupé. Voilà. Ça. Puissant Renteria. Oui, Renteria, c'est comme ça qu'il marque. Voilà. Alors que le défenseur, lui, était parti. Il est sorti du terrain. Ça ne m'intéresse pas. Et bien, en force, hein, ce but. Ouais, ouais. On est. Pas de chance, hein. Regarde. Ouais, on est bien là, mais bon, quand apparemment c'est. Ah bah c'est faible, ouais. Mmh. Dire qu'ils nous ont battus à l'aller. Ouais. Ouais, c'était une petite surprise d'ailleurs. Un peu, ouais. Bah en même temps, c'était la surprise Diallo. Oups, ce ballon nous a échappé. Oui, un peu. Ouf, ce tacle aussi nous a échappé. Complètement. Mais celui-là par contre est magnifique. Oh, le coup d'un était pas magnifique. Mais celui-là par contre est magnifique. Mais celui-là, s'il vous plaît. Attention, c'est Diallo quand même. Attention. Je me souviens de ses relances à la main sur le poteau dans le but. Ça c'était contre Rennes, je pense. Et... Oh, ça oh, passe pas, presque ça plus ouais. Que du pain. J'avoue que ça mérite un meilleur sort cette histoire. Un bon jeu. Voilà. Oula, j'aurais du mal à passer physiquement. Ah, god. Ah ouais, t'as bien. Ouf, mais derrière la relance dégueulasse. Oh zut, oh c'est ça. Bien. Putain, physique. Oh là là, j'ai été très gourmand là. Sur la première. Ouais, mais bon. Ah, on revoit pas la première. Non. Ah, à l'intérieur. Oh mais non, pourquoi? C'est étonnant ce début de match là. C'est à la limite de la correction. Eh ouais, Gitlia, on est des fous. Attention. Non, c'est très mal joué de la part de Caen encore. Ouais, mais ils réussissent rien. Non. Ça se trouve, ils vont faire une deuxième mi-temps comme nous contre Bordeaux aussi. Peut-être. T'imagines. Sinon, même que 2 heures. On serait vert. Un petit peu. Ou c'est pas bon. Non, c'est très mauvais. Je l'ai su quand j'appuie. Oh, 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 hop là. Donc ça va, 38, c'est juste. C'est la tête. On a quand même 8 joueurs au sol. Hein. Sur 2 actions, c'est pas mal. Attention, ce ballon. Ouais, ça c'est pour moi. Hop là. Ils sont même pas au duel, c'est con. Non, c'est ça. Ouh, gourmand encore. Allons-y, faisons le spectacle, c'est le match où le faire, je le sens. Mais c'est vrai que là, pour le coup, hein, on peut se le permettre. Allez hop. Ouh, c'est la teuf. Oh là oh là, oh là, cette frappe. Ouf, j'aurais fait semblant d'être blessé si j'avais été mis. Jacob qui a fait cette petite frappe. Il n'a pas mis un petit peu l'animal. Je crois qu'il en a mis un quand même déjà. Oh, putain, elle est pas. Elle est pas si dégueulasse. Elle est pas si loin hein. Que ça en fait. Si elle rentre, elle est jolie en fait. Ouais. Mais parce que tir en pivot et compagnie. C'est pas facile, il y a de quoi se niquer la hanche. Oui. Surtout à 82 ans. Exactement. T'es comme ça, toi, t'es une humeur chantante. Oui. Ouf. Oh là là, c'est catastrophe ici. Ouais, c'est même plus mauvais, c'est juste une catastrophe. Ah, là, c'était ça pas aussi meilleur. Ouais. Ne nous mettons pas à leur niveau. Ah bah écoute. En bas. Ah putain, t'as vu. Oula, attention à cette action. Non, de non, il n'y a plus envie de l'or au sens que tu fais. Voilà. Et il joue quand même contre les vainqueurs de la Coupe de la Ligue, ok. Ça calme. Wow, c'était bizarre. C'était très bizarre en effet. Mais pourquoi pas. Exactement. Pas mal comme bilan finalement, 8 buts en 19 matchs. Ça aurait pu être pire, regarde comme il est beau celui-là en plus. S'ils sont tous comme ça, ouais. Ça vaut le coup d'aller. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de canets. Merci. Oui, Guillaume. Ouais. Et le stade Malherbe de Caen qui. Un superbe stade, hein. Un très beau lieu. Oh. Je pensais que ça marchait encore le coup des blagues pourries où on se prend deux, mais non, pas. Même ça, on a réussi à jouer de ça en bas. Mais paf. Oh la merde, j'ai encore du tu avais mal compris là. Ah, t'es en jeu, c'est bon. Ah, on revient à la faute. Enfin, hors jeu, je te dis. On aurait dû tenter super cancel en fait, j'ai pas pensé. Ah oui, mais c'est L1, L2, R1, R2, c'est ça? Je crois, ouais. Mais j'ai essayé tout à l'heure quand j'avais. Comment ça s'appelle? Ouais, Jacob. Quand j'ai voulu ne pas prendre le ballon et avoir un corner. Ça va. Kilo, oui, c'est la teuf. C'est tout plaisir. Ouais, pas mal, il y a quelque chose à faire. Hop là. Dur, j'ai du mal à suivre. Non, ouf. Bien joué.
Pas facile. Joli. Dommage, belle action, bien joué. Je suis un peu déçu de ma frappe par contre. Ah, elle était pas mal. Amy Payne, ouais, mais un petit ballon qui rebondit et tout, et au final c'est un petit peu sur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'était quoi. Droite si ça me plaît. Vache. Oh merde. Eh, c'était passé quand même. Et qu'est-ce qu'il a sifflé? Une faute apparemment. Oui, tu avais peut-être un pied haut, qui sait. Non. Mais il s'est passé qu'est-ce que Renteria, il est dans le dur déjà. Renteria, il est vraiment vraiment pas endurant. Hein. C'est impressionnant. C'est pas son truc, non, endurance. Hein. Ouais. Il va falloir se débarrasser de Renteria. Bah ouais, après il a fait une saison pas dégueulasse, peut-être qu'on va nous l'acheter hein. Bah j'espère, j'espère. Mais je t'avoue que là y'a pas grand monde que je mettrais pas en vente en fait. Bah c'est vrai, pourtant ils ont fait une belle saison. C'est un peu dur pour eux je trouve. Ouais mais pour en vendre un axe, voilà quoi. Mais oui, parmi les moins jeunes j'ai envie de dire. Mais les jeunes par contre, on a pas le truc à garder quand même, non? Ouais. Mais le truc c'est qu'on va avoir du très lourd qui va arriver quoi. On va avoir des trucs pas mal ouais, qui vont venir. Peut-être du prêt, hein. Ah merde, comment on fait pour nos entraînements et tout. Bah on en aura encore, hein. Tu sais, les jeunes ça va. Oui. Et quand ça vient, ça va. Allez ça va, on mène 2-0 là, c'est ça? Je crois, ouais. 3-0. Peut-être 2. C'est bizarre, hein. C'est tellement genre. Allez, tranquille. C'est grave. Oh putain, Paris qui perd face à Saint-Etienne. Là, c'est la Ligue des Champions pour nous. Ouh. Oh, ça me fait chier, un peu. Ah. Je veux bien faire un petit tour en Europa League quand même. Après, on sera en préliminaire de la Ligue des Champions, non? C'est pas faux. Donc ça voudrait dire on n'est pas encore. Ouais. On peut retomber en Ligue Europa. Ouais, c'est vrai. Nantes qui mène face à Ajaccio 2-0. Bordeaux qui mène face à Bastia qui. Ça sent un peu le roussi pour nos amis Bastier. Et Montpellier qui est dominé par le Stade de Reims. Ça domine aussi Montpellier qui s'écroule un petit peu après avoir flirté avec la 3ème-4ème place. Bah ça sent la fin de saison, l'équipe qui a plus grand chose à obtenir parce qu'ils sont retombés. Ouais c'est ça. Donc bien 2-0 à Caen ouais. Pour cette première mi-temps, enchaînons et ne nous relâchons pas. Absolument. Renteria Malonga les buteurs donc. Oui, Renteria qui a réussi à marquer après ce très mauvais match. Il a fait un très mauvais match, je pense qu'il a pas tellement été en situation non plus. Bah oui, enfin en fait il a pas fait le match quoi. Il a, limite il était un truc qu'il a pas joué le garçon. C'est un peu ça. Ça va plus. Mais disons que d'un autre côté, quand il est sorti on a eu les occasions tu vois. C'est vrai. Ouah, c'était pas dans le... Non. C'est pas mal ça. Non, c'était un peu mal en fait. Dommage. Replaçons-nous, qui disait. Hop là, voilà. C'était pas joli c'était cette frappe. Très mauvais. C'était pas joli, joli. C'était l'ami Hermash là ouais. Qui s'est un peu raté sur la frappe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout à fait, Pierre Simon. Quoi? Comment? Qui? Attention, Alexandrov qui est parti sur la gauche, mais c'est pas une flèche. Oui, tout à fait. T'es-tu vraiment obligé de dire ça? Je sais pas, j'ai pas compris ce que t'as dit. Alexandrinov, d'accord. Oui. Attention. Très bizarre comme nom. Oh là là là, passe superbe. Totalement volontaire en plus. Oh, dur, c'est pour toi. Non, c'est... pour toi. Oh putain, j'y crois pas. C'est pas fini. Je n'en reviens pas. Oh mais quelle horreur. C'était pas très beau. Oh, c'était affreux. C'était gentil, hein, mais c'était. Mais j'aurais dû frapper. Ouais. Peut-être. Ouais. Trop de collectif. Là c'était de quoi je me dis. C'est de collusion. Tout à fait. Attention là. Ouais, ils nous ont eu. Mais pas longtemps. Il y a du monde là, ouais. Tranquillou. Oula. L'intérieur qui peut-être pas nous faire une trop grosse course là. Il faut peut-être aussi nous faire un infarctus. Aussi. Mais il continue, oh, c'est la teuf. Hop là. Allez. Tu vas l'avoir, t'es meilleur. Vas-y champion. Peut-être pas sortir de l'intérieur, je pense. Oui, il y a des chances, oui. Un petit Kraus? Ouais, toujours. Ce serait bien qu'il dépasse les 10 buts, Kraus. Ouais, ce serait bien, ça reflèterait un peu le niveau de sa saison. Ouais. Bon, il les aurait atteints si t'avais marqué plus de pénaux. C'est vrai, plus. Hop. Hop. Et hop.
Oh, c'était pas possible. Non, ils nous ont pas attendu en fait. Parce que c'était en groupe. Ah oui, c'est vrai. Ha! Tu vois, espèce ah, de... bien joué, bien joué. Espèce de langue de pute. Ah, c'est tout à fait moi. Et t'as blessé. Mais évidemment, évidemment. Je t'avais dit de le faire sortir. Oui, tout à fait. Ah, suis-je bête. Est-ce qu'on ferait pas rentrer Zéoula ou... Un petit ballon. Voilà, un petit ballon. C'est vrai, on peut faire tourner un peu. Ouais, il faut faire jouer les mecs qui jouent pas. C'est ça. Faudrait l'entraîner Bellon aussi, hein, quand même. Peut-être. Peut-être parce que 59, c'est quand même un de nos joueurs les plus faibles. Ouais, hein. Ouais, grave. Ouh. On peut essayer de le prêter aussi, je veux dire. Hein? On peut essayer de le prêter aussi. Peut-être, parce que là, arriver là. Une faute? Non, je crois pas. Il y a un remplacement. Allez, la sortie de Wazon. Terry. Et là, rentrée de Julien Ferret à la place de Jonathan Beaulieu. Jonathan ou Jonathan? Jonathan et Jennifer. Et oui. Marie Kraus qui est rentrée, Dirk Bellon qui est rentrée, Tim Payne qui sort, qui accompagne Renteria dehors. Il nous reste un petit changement. Et oui. À faire. Et je ne sais pas qui est cet homme. Et c'était Bellon. Ah oui. Parce que je pense qu'on aurait reconnu Kraus quand même. Oui. Hein, maintenant. Commence à le connaître, le jeune. On voit souvent, c'est une qui les débuts. Wow. C'est la teuf. Grosse faute. Est-ce que je ne jouerai pas vite? Pas si c'était, mais. Ben non, c'est toi qui dois jouer vite. Alors, moi je vais le tenter. Tout à fait, à cette distance, ça vaut le coup. Et avec nous, qui est évidemment. J'ai peut-être un ballon à prendre là. Waouh, ah, c'est pas cadeau ça. Ouais, alors qu'est-ce que je viens en faire? Ce gentil monsieur là. Oh, c'était pas. Le gardien fait son match quand même. Il a sorti ouais. Que 3 bonnes frappes. Hein. C'est pas. Perkis. C'est beau pas. Peut-être. Je ne sais pas du tout. Non, Perkis il est. Je suis fou. Dommage pour le corner, c'est joué premier. C'était pas un mal. Peu court. Ouais, un peu court, ouais, mais c'était pas mal. C'était Bellon peut-être. Je crois. Bellon. C'est une bonne tête de Bellon. Alain, Bellon. Ouais, je sais. Oh, Kraus. Oh là là. Il va finir tout seul. Kraus. Non, il plaisante. Et ben, Kraus, il aurait pu aller marquer du coup un nouveau but, mais bon, là, ouais, c'était ouais, tellement. C'est vrai. Putain, comment il l'a bouffé, ah, quoi. C'est impressionnant. Il est vraiment pas mauvais, ce con. Ah, et là, tranquillou le but. Hein. Oui, oui, on va passer. T'aurais presque pu faire, hein, je sais pas. Geste Tation. Un petit R2 L de frappe ouais, ou L de passe. Ouais, ouais. C'est genre je chante. Mais bon, on n'est pas comme ça, nous. Absolument pas. On est qu'à partir de 3 le ballon. Voilà. Oh, R2. Vache, gros vent. Hop, oh, oh putain. Non. Allez. Voilà. Ah voilà. Ah, pas mal. Attends, on fait quand même une énorme saison. On fait une énorme saison, une deuxième partie de saison également. Oh, putain. Presque amusé. Ouais, franchement, amusé. Mais bon, c'est sympa. C'est le foot, c'est FIFA. C'était une passe de merde. Ouais. Et ça lance. Petit dernier changement. Allez, qui qu'on fait rentrer? Oh, Jacob est fatigué. Mais Campagnaro est aussi fatigué. On a du monde de fatigué là quand même. Tu veux sortir, faire sortir qui? Hamash, Campagnaro. Plutôt Campagnaro, je pense. Allez, Campagnaro de Blasis, on a rien d'autre. Sinon, Ndiaye. C'est pas mal de Blasis, hein, cela dit. Ouais, allez. Il tiendra le choc. On n'a pas non plus d'enchaînement fou de oui, match. Oui, et puis on a personne, aucun joueur qui ait besoin de travailler. Donc, ça... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, tu as fait n'importe quoi. J'ai fait absolument rien, surtout. Bon. Tu veux dire que c'était moi? Ouais. Peut-être. Ouais, exactement, ouais. Tu m'as vu? Espèce de connard. C'est moi. Tiens, voilà. Prends le ballon, passe la balle. Ouf. C'est pas cadeau ça pour Kraus. Mais il s'en sort, petit. C'est un bon petit. Oh pas mal cette balle. Jacob ça va être dur. Oh pop ouais, il a pas de fois, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ça. On aurait bien aimé. Grave. On veut des coups francs. Vas-y, vas-y. Bon, le long dans les pieds, ça poursuit. C'est pas mal. Et bim. Oh le salaud, j'aurais pas dû. J'aurais dû frapper fort en fait. Comme il y avait sans élément. Le compte. Mais écoute, c'est pas l'ancien orienté, Benjamin le compte. Je me pose la question. En tout cas, ah putain, elle est pas très bien frappée. Elle est pas super frappée, ouais. Ça, c'est la teuf. Ça te plaise. Et c'est parti. Ouf. Ouais, bien. Ça fait marcher dessus le pot. Grosse sortie de l'ami Lecomte. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais... Oh putain. Ça, c'était pas serein.
Ils sont gentils, ils nous attendent. Et il a décidé de ne pas s'en laisser compter. Tout à fait. Je me relèverai pas. Oh, bah, Diallo. Il a décidé de ne pas s'en laisser d'y aller. Tout ça. Diallo, mon numéro. Bref. Je peux te taper, hein. Non, enfin, je le dis. Oh là là. Oh, c'est la fête. Oh, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais, c'est pas leur match, là, quoi. Non. Alors que le stade Lavallois se dirige tout droit vers la Coupe d'Europe, au superbe absence de contrôle de Jacob. Mais il voulait chercher une bonne touche. Pour l'adversaire. Une touche difficile à jouer. Ça avait l'air bien. Allez. On aura bien, hein. Ça c'est l'esprit d'équipe. Il y en a un qui la récupère et l'autre qui tamponne. Bravo. Allez. Oui, alors là ils sont en train de se réveiller. Hein, ouais, la 85ème, ils ont décidé. Il là. Reste 2 minutes de jeu, c'est le moment. C'est le moment de faire la différence. Oh, ça c'était du football. Ouais. C'est désolé. Ah, bah, enculé, je t'encule. T'es vachement grand toi. Un peu, hein. Il m'a fait un peu peur. Il est pas très grand, Kraus. Ami Kraus, ouais. Non, mais il est vif, c'est notre petit Messi. Ouais, j'aurais pas dit Messi. C'est pas du tout le même profil. Allez, cours. C'était pas Kraus. Qui mange, ça rentre quand même. Marque. J'ai pas été très collectif là. Hein. Non mais c'est pas grave. C'est rentré en 4 force. 4-0, ça faisait longtemps. Et ça fait plaisir. Mais t'as bien fait de pas être collectif parce que j'étais hyper mal placé moi. Bah je sais pas. Ouais c'est vrai que c'est. Moi je vais déplacer. Grande chance que ça passe pas. Ah ça passe pas. Mais j'étais plus placé pour si la repousse avoir une chance de la reprendre. C'est rentré vraiment en force. Ouais. Par contre. Ouais, allez hop. Voilà, 4-0, Malonga qui malgré son statut de remplaçant bah, continue à avoir des petits éclairs de génie. Hein. C'est vrai, Malonga marque quand même des buts plutôt cool. Bah, Malonga marque beaucoup pour son temps de jeu, ouais. Marque des buts plutôt cool. En général. Par contre, quand tu mets titulaire, il est beaucoup moins tranchant. C'est vrai, mais comme beaucoup, hein, comme Gonsalves, comme. Ouais. Comme beaucoup. C'est dur ça. Oh, dommage. Bon, de toute façon, on va pas se faire. Allez, bah, le 4-0. On va écouter l'ovation de Michel Dorano. Ah, quel enchaînement quand même après le match de Coupe de Ligue. On dit toujours que c'est difficile d'enchaîner derrière bah, le coup. Ouais, mais là on était dans une dynamique de victoire, de titre, d'euphorie, tu vois. Ouais, carrément. Ah ouais, 2 buts quand même, Malonga. Oui, Malonga, 3 tirs, 2 buts. Ah oui. Efficace. Hein. Ouais, efficace, il y en a combien de Malonga? Il doit avoir quelques buts quand même. On n'est pas à 7 ou 8 aussi. Ouais, on a plusieurs à 7 ou 8. Hein. Bah, c'est ça, on a pas mal de buteurs, on n'a pas de gros buteurs, genre le buteur. On n'a pas le. Ouais, on n'a pas le. Voilà. Mais par contre, on a de nombreux. Enfin, encore qu'on dit ça, on a quand même beaucoup de joueurs à 0,5 buts par match, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais. Pas beaucoup, mais on a quelques-uns. Attends, on a joué plus de 30 matchs, on a personne à 10 buts. Non, mais en Ligue 1, je parle. Oui, on a joué. De match en 1 ah oui d'accord ouais mais Renteria il était à 8 pour 19 je crois un truc comme ça ouais ah oui peut-être. 9 pour 19 avec ce match là enfin 9 pour 20 du coup bon on verra tout ça donc c'est la fin du mois d'ailleurs on verra un peu. Ah bah oui tiens bon voilà globalement grosse domination pas grand chose à dire on les a défoncés. Paris qui prend 2-0 face à Saint-Etienne. Paris qui dit au revoir à la Ligue des Champions au profit de Laval. Nantes qui bat le GFCA 3-1. J'ai pas vu les autres résultats. On fera 100. C'est incroyable quand même. Et on est à 1 point de la Ligue des Champions. Parce qu'on a 4. On a quoi? On est à 1 point de la Ligue, des Champions. C'est ouais. C'est abusé. Hein. Ouais, c'est complètement abusé. Est-ce qu'on ne perdrait pas tous nos derniers matchs pour ne pas y aller? Parce qu'on va jouer l'UEFA et on est des fous. Bah non, sinon on gagne tous nos matchs et puis on perd au tour préliminaire. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait un tour préliminaire en fait. Je pense que si, mais je suis pas sûr. On verra ce que ça donne de toute façon. Eh ben, écoute, on a fait une belle saison. Ouais, après voilà, faut pas déconner quoi. Tu sais qu'on est même pas si loin. Enfin, je veux dire, on les rattrapera pas, mais Monaco. Oui, ce serait. Ils sont à portée de fusil, ouais. Par contre, en cas de succès, Lyon serait définitivement trop loin pour nous. Ouais. L'OM n'a pas profité du faux pas du PSG. L'OM a dû perdre également. Et c'est très très dommage. Bah, c'est bête pour eux. Écoute. L'OM a perdu 2-1 face à Lille.
Ah bah Lille, ils se sont réveillés un peu tard malheureusement. Bah comme Saint-Etienne, hein. Ouais. Mais tu sais que ça doit être très très serré en fait. Mais du coup, Lille, ils sont où par rapport à l'OM? Ils sont à un point de l'OM. Ils sont revenus à un point. Tendu. Ah oui, pour la dernière place européenne. Et du coup, non, parce que la sixième place va être européenne aussi. Oui, puisqu'on sera en Ligue des Champions et qu'on a gagné la Ligue. Ce sera sûrement en Ligue des Champions, ouais. Oui, peut-être, oui, ça va, j'ai un peu... Donc ce sera soit Bordeaux, soit le 6ème. Ah bah tu vois, on peut jeter un coup d'œil là-dessus. Une petite finale Everton-Tottenham, très anglais tout ça. Par contre, 6-0. Ouais, c'est qui le club qui s'est pris 6-0 là? Je sais pas, mais fou. Pourtant ils avaient battu Naples. Ils avaient battu Naples, Schalke. Ah, c'est pas un club turc? Genre Trabzonspor en tout cas. Ouais. Peut-être. Bon, c'est 6-0 sur deux matchs hein, quand même. Ah, c'est sur deux matchs, pardon. Monaco qui est tombé contre Everton en quart de finale. Dommage. Les autres clubs français. Eh bien, il n'y en a pas. Et voilà, c'était la taf. Génial. Et en Ligue des Champions, hein, histoire. On ne dirait pas que Paris risque de ne pas jouer la Ligue des Champions quand ils ont Neymar et tout. Ouais, ah, c'est ça. Et en Ligue des Champions, est-ce qu'ils y étaient déjà la saison dernière? Je pense, ouais. Ouf. Ah, bah oui, ils ont perdu en demi-finale. Oh, contre le Bayern. Après avoir tapé la Juve et l'Inter. Quand même. Barcelone a sauté contre le Bayern en quart de finale. Oh putain, Chelsea, la finale. Attends, c'est pas fini. C'est match aller. Ah fort. Putain, ça se trouve, Paris, ils vont gagner la Ligue des Champions quoi. S'ils gagnent la Ligue des Champions, ils sont arrivés l'année prochaine. Bah, je sais pas si le jeu prend ça en compte, mais théoriquement, oui. Ah. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils laissent un peu des forces, nos amis parisiens. Peut-être. Et Chelsea qui a l'avantage sur le Real, on se dirige a priori vers une finale Bayern-Chelsea. Mais c'est pas fait. Mais c'est pas encore fait, en effet. Paris qui avait fini deuxième de son groupe, très loin derrière Manchester United, qui avait tout déchiré. Ah vache. Ah ouais, grave. Et Manchester United qui a sauté contre le Real. Ah ouais, chaud. Ouais, c'est le Real quand même, c'est pas des touristes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, Bayern, Séville, l'Ajax qui avait sauté, ça c'est du classique. Chelsea, Borussia Dortmund, admettons. C'est passé juste Dortmund. Ah, ouais. Oh. Ah oui. Ah, c'était au meilleur collaborage particulier. Ouais. Manchester City qui ne passe pas comme d'habitude. Ils sont passés cette année, mais d'habitude ils ont toujours. Inter Porto, ouais, Porto par contre. J'ai un Atletico. Ouais. PSV qui coince évidemment. L'OM qui avait terminé 3ème de son groupe, donc reversant en Europa League, mais on les a pas vus quand même. Ouais. Arsenal, AS Rome. T'as vu que Anderlecht est passé dans le groupe de Monaco en vrai? C'est vrai? Ouais. Non, merde, j'ai pas vu. Monaco n'est pas passé. Ah, bravo. Et c'est pris un 4 ans à Tottenham. Ouais. D'ailleurs, j'aurais pu avoir des places. Ah ouais? Ouais, je connaissais un mec qui vendait 2 places en fait. Si tu veux, pardon, je dis ça comme ça. Si tu veux aller voir Chelsea, un jour avant de partir, j'ai un collègue qui a des places tout le temps. Ouais, carrément. C'est vrai? Ah ouais. Ah merde, si j'avais su, parce qu'en plus il m'a demandé, je crois que je te l'ai dit, le week-end dernier, il m'a demandé de l'accompagner. Et bref, je lui demanderai s'il peut me gérer ça un jour. Ah, ce serait très très cool, ouais. Mm. Très très cool. Wolfsburg et Madrid dans le groupe G, hein, Madrid qui est en demi-finale, on l'a vu. Et Barcelone Celtic, et... Ah, mais attends, je suis con. J'étais en train de chercher l'équipe mystère, mais j'étais pas en Europa League, là. Eh oui. Donc forcément, moi j'allais pas la trouver. Vu tableau. Papalapa. Vu tableau. Merci. Alors, Trabzonspor. Ah, c'était ça. Trabzonspor qui est amené première de son groupe. Bien. Allez, on en reste là. Ah non, pardon. Ah bon? Ah non. Ah oui, premier groupe. Pif, paf, pouf, mais oui. Mais je dois faire des entraînements. Et je sais bien. Alors, rapport mensuel sur les jeunes joueurs, allons-y gaiement. On a du beau monde hein, quand même. On a du beau monde. Fofana, ça a un peu baissé par contre. Il y a de la petite déception. Moussa Diallo, c'est toujours très bien. Marco Guérin, bon bah. Marco Guérin, bientôt il aura un général supérieur à son potentiel. C'est un peu ça. Jason René, on l'a pas beaucoup fait jouer. Enfin, fait s'entraîner du moins. René, non, c'est vrai, il est un peu passé à la trappe. Stevens, bon. Stevens, on va le garder. Tant qu'il reste, on va le garder, j'ai envie de te dire. Mm. Tigrouja aussi, ça a un petit peu baissé, mais ça reste assez honnête, c'est sympa. Ouais, ouais. Et Adrien Dido, c'est pas mal hein, pour un petit arrière droit. C'est pas mal, c'est ça pas part de loin. Non, plus, hein. Non, mais 1,90 quand même. Hein, quoi? 1,90. Ah, c'est un arrière de taille. Ouais.
Ok, rapport disponible. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Je crois que c'est le dernier mois là, c'est ça? Peut-être. Ouais, c'est ça. Alors attends, on va annuler. Hop, donc là, si on veut prendre des joueurs, c'est maintenant. D'accord. Non? Non. 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 Nine? Non. No. Hein? Mort. Oh. Hi-ha! Oh. Voilà. Uh-huh. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Bon, c'est tout de la merde, hein, c'est tout pourri. D'accord. Ouais, non. Il y avait que lui, mais il est parti. Il est parti. Tu es parti. Il est dans... Non, c'est pas ça. Tu n'es pas là. Ah, c'est ça. Mais c'est plus ça en fait. Hey, je sais ce qu'on va faire. Merci d'avoir réintégré dans l'équipe, mais de rien, Michel. On en est ravi. C'est vrai. Car en dépit de ta petite taille, tu es un homme bien. Ah. Ouais. Ok. Ok, bien. Alors, juste un petit détail avant de te laisser les rênes de Zone 13 Man. Je voulais pas regarder l'évolution des gens. Bien sûr que si. J'avais complètement oublié. 2 650 000, ce serait pas dans le moyen? Si on bouge un peu, peut-être. Non. Non. Non, non. Dommage. Ouais. Bon, c'est con. C'est quoi sinon? 450 000, ouais, non, c'est la zone. On va garder les thunes pour plus tard. On va juste renvoyer celui-là. En mission, je veux dire. Yep, yep. On le revoit en France, pareil. Encore? Ou on envoie un meilleur en France? Bah oui, de toute façon, c'est général aléatoirement. Donc. En Belgique? Pourquoi pas la Belgique? Allez. On aime bien les Belges. On aime bien les Belges. On aime bien faire des accents racistes aussi. Un peu, ouais. Ouais, c'était horrible. Je m'excuse auprès de toute la communauté raciste. Bien. Donc, on disait. Rapport à équipe, j'ai du mal. Hein. Un peu. Oh, 73 de Diallo. Diallo, 73. Il essaie de faire concurrence à Garnier. Ah, bah oui, il s'est dit, attends, l'autre gamin là, il a 12 ans et demi, il est en train de faire le mariole, ça va pas se passer comme ça. Mais alors, Guérin est meilleur en tout quand même, en réflexe, en plongeon. C'est en vrai que c'est assez détente peut-être. Est-ce qu'il a une bonne détente? C'est la détente qui pêche à côté de Guérin. Bah, ça risque d'être un vrai problème ça. Peut-être. Ah, Diallo il nous aura quand même vendu un beau match, hein. Même s'il s'en prend 4 contre Bordeaux. C'est vrai. C'est pas Bordeaux qui m'a le plus choqué, les Diallo. Ah non, du tout, il fait un beau match contre Bordeaux, je trouve. Oui, plutôt. Maxime Aubois, donc évidemment, ça bouge pas lui, il va falloir le dégager Manu Militari. Le sec qui prend des stats physiques parce qu'il s'emmerde donc il fait de la muscu chez lui. Jean Dobaebek ne bouge pas, toujours 66. Pedro Requena 65. Fouachafi qui est à 70. Frédéric Aichaud, plus 1, 67. Frédéric Aichaud, 3 buts dans sa carrière. C'est incroyable. Mais c'est hallucinant. Un match joué en Coupe de la Ligue, 3 buts. C'est ça, on n'oubliera jamais Frédéric Aichaud. Je crois que non. Clayton Daniels, toujours 68. C'est assez stable. Qui ça? Je sais pas. Ah. Nardi Moutier qui montait à 68 également. Afoubou est à 67, ce qui fait qu'on a quand même des défenseurs, 4 défenseurs centraux qui sont à peu près dans les mêmes eaux tous. Et un qui est complètement à la ramasse, c'est Malik Couturi qui va nous quitter d'ici quelques semaines. Notre grand regret. Florian Marange qui baisse pas mal hein, ces derniers temps. Il va falloir réfléchir à faire quelque chose, peut-être avec Baybeck pour sa place. Perrault qui a 66, il a pas énormément de temps de jeu, il progresse petit à petit. Il faut voir lui si on peut lui laisser une chance. Tim Payne, 65 plus 2, ça n'a pas bougé. Diabellon, 59 plus 4, ça en est toujours là. Modibo Dembélé, 61 plus 1. Nouman Jacob, 59 plus 4, ça n'a pas bougé non plus. J'ai l'impression qu'il faut continuer à les entraîner en fait, les mecs. Hein. Ouais. À mon avis, il faut avoir que 5 jeunes dans l'effectif. C'est un peu ça. 61 plus 2 pour Valentin Launay à Dillermach. Et remonté à 70. Bah, pas mal le type. Hein. Il fait un peu l'ascenseur à Dillermach. Gonsalves à 68, ça bouge pas. Abdoulkarim Berigo qui a demandé à être titularisé, à passer pro, à récupérer un petit point, mais c'est encore très loin d'être la folie. Tiens d'ailleurs, vu qu'on est là. Voilà. Deux ans, tu te casses. Campagnaro, toujours 72 plus 2. Malonga 67. Tristan Dingomé 70 plus 2. Il a monté en effet Tristan. Deblacis 70 plus 5. Il a pas pris de niveau Deblacis. Petite déception. Ouais mais quand même. Mathieu Perbet qui est à 60, lui aussi il a insisté pour passer pro. Il va être prêté.
César Zéoulin. Un peu de points pour Zéoulin, dis donc. Qui... Ouais, mais il avait déjà pris la dernière fois. Il a repris, tu crois? Bon, peu de points. Etinov 65, lui, il en a rien à foutre, Etinov, il monte. Mais il en a carrément rien à foutre, c'est impressionnant. Ah, il est bien, franchement. J'aime beaucoup son état d'esprit. 21 ans. Renteria qui continue à perdre en physique et qui commence à être plus rapide que ça. On l'a pris pour ça à la base quand même. Renteria qui est sur la liste des joueurs avant. Très bien. Marvin Kraus plus 9. Tu sais que je me tâtais à le vendre. C'est vrai? Ouais, mais du coup. Il a 17 ans. Hein. Ouais, je pense qu'il y a moyen de lui faire bien monter après ouais, le vent, parce que tu veux le vendre. Hein. C'est pas faux. Il est... Et puis, putain, 83-86, c'est pas mal quand même. Julien Via, la future recrue de Créteil, qui est pas en forme, qui a 35 ans, qui n'a même plus un pied devant l'autre. Il a quand même perdu 6 en vitesse, 6 en agilité et 4 en accélération. C'est pas mal. Bon, faut dire, il a joué bon, 10 matchs quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et 2 buts. Deux buts dans le même match, le doublé contre Bordeaux, et c'est tout. Tandis que Luis Frilo Martella, qui a encore moins de temps de jeu, le pauvre petit, peut-être on le met en vente, lui. Peut-être. Ouais. Encore moins de temps de jeu pour Martella, n'a marqué qu'un but, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de buteurs, enfin on a surtout Renteria et Kraus en fait. Non, c'est ça. Et Alassane Ndiaye n'a quasiment pas bougé. Enfin, il a pris des petits points, faut lui reconnaître ça, des points qui servent à rien, mais il a pris des points. Allez, on en reste là pour cet épisode, puisque le coach va s'occuper des entraînements. Et on se retrouvera, ça a été un épisode très long hein, finalement, on se retrouvera assez rapidement pour un match contre l'OL. Non, pas encore l'OL, je crois. Il reste Lorient, l'OL, Bastia et... C'est l'OL, le prochain. Raison, dur. Allez, à très vite, gros match contre l'OL à venir. On pourrait peut-être leur faire pas leur titre de champion de France. C'est vrai, si on joue bien le coup. Allez, ciao. Salut.